de libre et indépendant. Notre seule richesse est de posséder notre temps. Artisan et non pas partisan. La liberté d'expression disparaît en partisan. C'est la voie que j'ai choisie, on ne m'a pas poussé. Oui, c'est la vie que je voulais, même si je dois en chier. Et puis chanter des chansons, c'est beaucoup plus peinard que de bosser chez Champion, même au rayon pinard. Débrouillard, j'ai fait mes armes dans la rue. Une spéciale dédicace à la mère des enfants perdus. Même si cette mentalité de merde me colle à la peau, j'ai lâché depuis longtemps ma fossile et mon marteau. Martelez-les, donc vos idées à la con. Je préfère vivre de mon art, oui c'est moi le champignon, que de marcher dans vos rangs pour y gagner 4 sous. En attendant la retraite, en espérant être debout. C'est ça hein, dites-le qui vous plairait vraiment. Que l'on reste docile et qu'on ne l'ouvre pas trop souvent. Malheureusement pour vous, on se compte par millions. Écoutez donc la colère et les relents de l'opinion. Elle m'avait dit qu'elle réussirait à Paris, que rien au monde n'aurait pu brider ses envies. Elle m'avait dit que son rêve était ici, rien ni personne ne l'aurait fait changer d'avis. Je dis que ce n'est pas un métier, mais c'est bien le plus vieux au monde. Je n'entends personne affirmer qu'il faut réouvrir les bordels. On ferme les yeux comme pour le chic. Mais là c'est des filles qui en souffrent. Elles tournent gentiment main en main. Et DSK n'est pas un ours. Ce sujet me tient à cœur. Et je dirais, voire même au corps, si ces femmes-là n'existaient pas, elles nous manqueraient, on est d'accord. Elles sont souvent la petite soupape qui empêche les choses de mal tourner. Et y'a qu'à voir les psychopathes. Dans la région, on est gâtés. Take a look. Mort, je ne verrai plus jamais ta sale gueule. Et de savoir qui a raison, qui a tort. L'important n'est de pas finir seul. Un peu comme toi dans ce cimetière qui est planté là comme un ego. Quand tu me jetteras la dernière pierre, pense bien à toi, mon beau salaud. Je te laisse mes mots comme dernière chance, avant que pour toi ce ne soit le grand jour. J'en ai discuté là-haut dimanche avec celui que l'on nomme Saint-Pierre. Et on t'attend ça dès lundi prochain. Tu vois ça peut venir très très vite. Il faut faire attention au train lorsqu'on n'est pas remis de sa cuite. La vie, ça ne tient à rien, et c'est à nous de tenir à elle. Car tu le sais, les anges gardiens n'ont jamais, jamais peuplé le ciel.